20 ans. Tout de suite, je vous propose de retrouver votre feuilleton de la semaine. Il s'intéresse au festival Caravane de Cirque. Ça se passe à Balma, principalement, sur le site de la Grainerie. Ce soir, zoom sur un artiste jongleur de 26 ans. Carlos est issu de l'école toulousaine du Lido. C'est le premier volet de ce feuilleton signé Juliette Merin et Olivier Denoun. Il a découvert le jonglage par hasard, à l'âge de 13 ans, en jouant dans la rue avec des copains. Originaire du Chili, Carlos est venu en France pour parfaire sa formation. 3 ans au Lido, l'école du cirque de Toulouse. 3 ans pour améliorer sa technique, mais surtout pour développer sa créativité. En fait, la création, c'est beaucoup, c'est un métier d'essayer des choses. Il faut essayer des images qu'on a dans la tête, des vivances peut-être qu'on a eues quand on était petite ou quand on était plus grand. Hein. Et c'est là où on va commencer à trouver un style, on va commencer à trouver une esthétique, et on va commencer à trouver une couleur de création particulière et personnelle. Depuis 6 mois, Carlos travaille sur un nouveau spectacle. Ce soir-là, grâce au festival Caravane de Cirque, il va pouvoir en présenter un extrait. Il n'est pas du tout au bon endroit. Voilà. J'ai déjà vu plusieurs versions de son travail qui évolue, qui n'est pas encore fini. C'est des recherches sur des découpes de papier, sur d'autres choses que uniquement je lance 7 ou 8 objets, puisqu'il est capable d'en lancer beaucoup, beaucoup et d'être encore une fois un des meilleurs du monde. À quelques minutes du début du spectacle, le public s'installe, Carlos se prépare et règle les derniers détails, la présentation de son travail. Tu veux qu'on dise quoi ? Autonome, au titre provisoire, ça fait partie d'un spectacle qui sortira ici même. Vous avez demandé quoi tout à l'heure au... Et de faire une présentation. Pour dire les nombres de spectacles, pour dire la durée, les situer dans les cadres d'une... D'un projet en création. C'est un spectacle en rodage, mais que c'était assez original et assez prenant. On a un personnage qui essaie de nous envoyer, de nous emmener dans sa poésie, dans ses rêves, et j'ai bien joué le jeu. J'ai beaucoup aimé aussi tout le travail avec les visages. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose encore à chercher avec ça. Mais voilà. En plus, il a un physique qui est très intéressant parce qu'il a des très belles lignes et il bouge bien, il a une belle gestuelle. Se confronter au regard du public fait aussi partie du processus de création. Le spectacle de Carlos, baptisé Autonome, sera présenté dans sa version définitive en décembre prochain à la Grainerie.